muzi yuko ku itariki enye Kanama aribwo Arusha habereye amasezerano y'amahoro. Ayo masezerano akaba yashyizweho umukono na guverinoma y'u Rwanda ndetse na FPR Inkotanyi. Muri ayo masezerano rero bateganya yuko hagomba kujyaho ubutegetsi bw'inzibacyuho yaguye. Ni ukuvuga guverinoma y'inzibacyuho yaguye n'inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye. Ariko mbere yuko izo nzego z'ubutegetsi zijyaho, nyakubahwa Perezida wa Repubulika agomba kurahirira imbere y'urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga. Ni muri urwo rwego rero iyo mihango yose igiye kuba kuri uyu munsi. Mbere yuko iyo mihango iba, nabamenyesha yuko ubu gahunda uko yariteganyije, abashyitsi abatumirwa bose bateganyijwe kuba bagera hano ku ngoro imihango igiye kuberamo saa tatu. Nk'uko bigaragara abashyitsi batangiye kuza ndetse ni benshi barategereje. Nibamara kuhagera rero uko gahunda iteganyije ni uku gukurikira. Isaa tatu nyine ni ukuhagera kw'abashyitsi batumiwe, naho isaa yine hararahira nyakubahwa Perezida wa Repubulika General Major Habyarimana Juvenal. Isaa yine n'igice harakurikiraho irahira ry'abadepite, naho isaa saba ni ukuvuga nyuma ya saa sita haraza irahira ry'abadepite mu nteko ishinga amategeko. Ubwo saa munani harakurikiraho irahira rya minisitiri w'intebe wa guverinoma y'inzibacyuho yaguye, hakurikireho ndetse ijambo rya minisitiri w'intebe urabumaze kurahira. Nibirangira harakurikiraho irahira ry'abaminisitiri bagomba kuzamufasha kurangiza inshingano z'iyo guverinoma. Saa cyenda n'igice hari buzeho ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubwo harahita hakurikiraho ijambo rya Perezida wa FPR Inkotanyi. Nirirangira harakurikiraho ijambo ry'uhagarariye umuhuza, naho saa kumi hateganyijwe ijambo ry'uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Rwanda. Ubwo iyo mihango ni hatagira igihinduka biri burangire mu masaha mbega y'icumi. Icyo twababwira ni uko abantu bitabiriye ino mihango ari benshi, ndetse hakaba hari n'abubahiriza umutekano hirya no hino, ibintu byateguwe ku buryo hatagombye kuba ikibazo gihari. Abantu ubu bakaba bibaza uko biri bugende, dore yuko cyane ku byerekeye nk'irahira ry'abadepite hari nk'ishyaka PL ryatanze amalisite abiri. Abantu bakaba bibaza bati haremerwa iyihe lisite, harangwa iyihe? Icyo kikaba ari ikibazo abantu bakwibaza, ariko dutega amaso tuze kureba uko bigenda mu kanya. Rwandaise, Rwandais, chers téléspectateurs, bonjour. La TVR, la télévision rwandaise, est heureuse de vous présenter les différentes cérémonies qui vont avoir lieu ici au siège de l'ancien Conseil national de développement à Kimihurura. Vous savez que l'accord de paix signé le 4 août dernier à Arusha prévoit la mise en place des institutions de transition à base élargie, institutions dans lesquelles le Front patriotique rwandais fait partie également. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui va avoir lieu une cérémonie de prestation de serment du président de la République devant la Cour constitutionnelle. Après cette prestation de serment, suivront d'autres cérémonies, toujours en rapport avec ces accords d'Arusha. Et après donc la prestation de serment du président de la République, je vous donne le programme qui va suivre. À 9h, il est prévu l'arrivée des invités et des différentes personnalités qui doivent prendre part dans ces cérémonies. À 10h, il est prévu la prestation de serment du président de la République, son Excellence le Général Juvenal Habyarimana. À 10h30, c'est la prestation de serment des députés à l'Assemblée nationale de transition, tandis que à 13h, c'est l'élection du bureau de l'Assemblée nationale de transition. Suivra alors le discours du premier ministre du gouvernement de transition à base élargie et sa prestation de serment, bien sûr. Suivra ensuite la présentation de son équipe gouvernementale dans son gouvernement de transition à base élargie. À 15h30, ce sera le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Général Juvenal Habyarimana, tandis qu'à 16h, ce sera le discours du Président du Front patriotique rwandais.
Son discours sera suivi par celui du représentant du facilitateur. Après le discours du représentant du facilitateur, viendra alors le discours du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Jacques Roger Bobo, qui est ici au Rwanda depuis l'arrivée de la MINUAR au Rwanda. Ce qu'on peut vous dire pour le moment, c'est que déjà les invités et les différentes personnalités qui doivent faire partie, prendre part à ces cérémonies, ils sont déjà sur place, les autres arrivent encore, et on attend juste dans quelques minutes l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que les cérémonies puissent commencer. Mais d'ores et déjà, une inconnue reste toujours. En ce qui concerne la prestation de serment des députés à l'Assemblée nationale de transition, il y a un problème parce que le Parti libéral, le PL, a présenté deux listes qui ne font pas l'unanimité entre deux factions de ce parti. Alors, on se demande, la question que tout le monde se pose est de savoir quelle liste sera admise, quelle liste va prêter serment. La liste présentée par le président du PL, M. Mugenzi, ou la liste présentée par M. Landouane. Eh bien, en attendant, nous ne pouvons qu'attendre la réponse à cette question. Peut-être les cérémonies qui vont suivre tout à l'heure vont nous dire la vérité.
rero mu ngoro hano rero mu ngoro y'igihugu iharanira amajyambere aho imihango igiye kubera abanyacyubahiro bo mu Rwanda batangiye kuhagera ministre w'intebe madame Agatha Uwiriyimana aje ndetse akurikiranye na ministre w'intebe ugomba kurahira none kugira ngo azayobore guverinoma y'inzibacyuho yaguye bwana Faustine Twagiramungu. Ndabona bamaze kugera imbere aho bagomba gufata imyanya yabo, ubwo ni ukuvuga yuko imihango yabiri hafi gutangira kuko mu bagomba kuhagera nabo barimo hanyuma n'abandi bakomeza kuza. Ibyo cyakora hakaba hari n'uwahoze ari ministre w'intebe wa mbere Dr. Nsanzimana Silvestre nawe yahageze, ndetse n'abagize rwa rukiko rurinda itegeko nshinga ubusugire bw'itegeko nshinga nabo barahari bahageze. Ni ukuvuga rero ko mu kanya nyakubahwa Perezida wa Repubulika nahagera imihango irahita itangira. Abatumirwa b'abanyacyubahiro benshi ndetse bahageze, ndabona n'uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Dr. Jacques Roger Bobo arahari hari imbere hariya arimo araganira na ministre w'intebe wa guverinoma y'inzibacyuho yaguye ndetse na ministre w'ububanyi n'amahanga. Ikindi umuntu yavuga ni uko hano kino cyumba cy'ingoro y'inama iharanira amajyambere nta bantu benshi bahari, umuntu akaba yakubaza impamvu, mbese ni ukuvuga ko bakererewe, ni ukuvuga se kubera ibintu by'umutekano batumiye abantu bake, ntawamenya ariko umuntu arabona abantu ari bake cyane. Nous sommes ici au siège du Conseil national de développement. Les invités arrivent petit à petit. On voit déjà le Premier ministre, Madame Agathe Uwiriyimana, qui a pris sa place et qui est arrivé avec le Premier ministre du gouvernement de transition à base élargie, M. Faustin Twagiramungu. Il y a également le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Jacques Roger Bobo, qui a pris sa place également. Et les membres de la Cour constitutionnelle sont sur les lieux, ils ont pris leur place. On peut dire que dans quelques instants, ce sera l'arrivée de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et alors les cérémonies pourront commencer. Ce qui est étonnant, c'est que ici, dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de monde, contrairement à ce qu'on aurait dû penser. On se demande pourquoi, est-ce que par mesure de sécurité, on a invité très peu de gens, ou bien est-ce qu'il y en a qui ont boudé ces cérémonies? On ne sait pas encore. Mais de toute façon, l'espoir est là. On espère que tout va bien se passer. Abanyacyubahiro rero bakomeje kuza, ndetse hamaze no kugera Perezida w'inama y'igihugu iharanira amajyambere Dr. Theodore Sindikubwabo, nawe amaze gufata umwanya we. Abanyamakuru rero bararekereje bategereje ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahagera kugira ngo imihango itangire. Ndabona abafotora ndetse n'abafite za kamera bose bazitunze aho umukuru w'igihugu cyacu agomba kwinjirira. Ikindi umuntu yavuga ni uko muri ino ngoro urabona abantu bakonje, ntabwo ari benshi,
bakaba bona ko bakonje buri wese afite ibyo yibaza cyane cyane ko muri iyi mihango harimo n'ikibazo cyane cy'ishyaka ryatanze amalisita abiri y'abadepite ubwo bamwe baribaza batese iliste igomba kwemerwa n'iyihe abandi bati itagomba kwemerwa n'iyihe bakaba yenda abantu baza batese aho biri butungane imihango ya none iragenda neza mbega hari impamvu zo kugira ngo wa mugani habe hari ubukonje kuko ubundi imihango nk'iyi yagombye gutuma abantu busanga bakeye ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze Thank you.
abantu hano nino ngoro barategereje ndetse ndabona mu banyacyubahiro bahari ndabona ministre w'intebe agata na perezida w'urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga ndetse n'ushinzwe protokole ya leta babona bari nko mu bintu bya kanama ndetse hirya naho nkaba mbona ministre w'intebe wa guverinoma y'inzibacyuho yaguye na n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka PSD Felicien Gatabazi barimo nabo bari kuganira umuntu rero akaba bategereje yuko abatumwe mu mihango bahagera ndetse n'abagomba kurahira bakarahira gusa nanone ikindi umuntu akomeza kwibaza mbese iyo hajyaga haba imihango nk'iyi kw'iyi ngoro iki cyumba imihango yamakuberamo cyabaga cyuzuye abantu none ahantu bakaba ari bakeya byagenze bite mbese aho byibuze abagomba kurahira bo bose barahari byagenze bite bikaba ari ikibazo umuntu yakwibaza dore ko na nyakubahwa perezida wa repubulika ntarahagera ariko ubundi agomba kuhagera yuko abandi bose bahageze noneho imihango igahita itangira ubwo rero turategereza turebe uko bigenda dukomeze zitegereze turebe uko bigenda ndabona hirya no hino abanyepolitiki bari kunyuranwamo bagira ibyo umuntu yakwita mu gifaransa consultation uretse ko umuntu yakwibaza ko izo consultation ziri kuba noneho hari ikintu zishobora kuba zageraho gishimishije cyangwa gifite akamaro cyangwa se bari kwiganirira ibyabo dore ko abanyepolitiki aho bari hose baba bari muri politiki yabo buri gihe Maintenant, on attend toujours que les cérémonies puissent commencer. Les invités, on se demande s'il y a encore des invités qui doivent arriver. Mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà la salle où doivent se dérouler les cérémonies est vraiment à trois quarts vide, alors que d'habitude, des cérémonies du genre mobilisaient beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. Il y a très peu de gens. Et c'est-à-dire que les invités ne sont pas tous venus, ou bien les concernés même ne sont pas encore arrivés. Est-ce qu'ils ont boudé les cérémonies? Est-ce qu'ils vont venir? Voilà autant de questions que l'on se pose en attendant le début de ces cérémonies. Ah voilà, je vois le président de la République qui arrive. Il arrive, tout le monde se lève. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero ageze nino ngoro, aho bari kumuha amashyi, aho imihango igiye gutangira. Ikabera akaba hageze ariko umuntu yibaza yaba bagomba kuyizamo bose bahageze ariko ibyo ari byose ubwo yahageze bikaba bivuga yuko imihango igiye gutangira Le président de la République, le général Juvénal Habyarimana, vient donc d'arriver dans la salle du siège du Conseil national de développement où vont avoir les cérémonies de prestation de serment. D'abord sa prestation de serment, ensuite la prestation de serment. Il y a le chef du protocole présidentiel qui va annoncer le programme de ses activités d'aujourd'hui. Ushinzwe protokole ya presidence muri repubulika ushinzwe protokole ya perezida wa repubulika agiye kugeza abantu kuri gahunda uko imihango ya none igiye gukurikirana C'est la cérémonie de présentation de serment du président de la République qui constitue un coup d'envoi à la mise en place des institutions de transition issues de l'accord de paix d'Arusha. Cette prestation de serment sera suivie de la signature du procès-verbal par le président de la République et de la lecture du même procès-verbal par le président de la Cour constitutionnelle. À présent, j'invite le président de la Cour constitutionnelle à venir introduire la cérémonie. Monsieur le Président. Ubwo bamaze gutangaza uko imihango igiye gukurikirana none ubu rero perezida w'urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga akaba agiye gutangiza imihango ya none iyo mihango rero ikaba iratangizwa n'irahira rya nyakubahwa perezida wa repubulika general major Habyarimana Juvenal imihango igiye gutangira tuyikurikire
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa Perezida wa CND, Nyakubahwa Madame Premier Ministre, Nyakubahwa Bwana Premier Ministre uzaguma kuyobora inzibacyo tugiye gutangira, Nyakubahwa Representant Personnel wa Secrétaire Général wa ONU, bategetsi namwe bacamanza muhagarariye urukiko rw'ibyemezo n'ubusugire bw'itegeko nshinga, nshuti zacu muhagarariye ibihugu byanyu mu Rwanda, namwe muhagarariye imiryango itera inkunga u Rwanda, banyacyubahiro mwese, namwe mwese mugiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko, batumirwa mwese, namwe banyarwanda mukurikira iyi mihango, muri impera y'umwaka ushize wa 2023 amagambo yavuzwe ndetse n'ataragombaga kuvugwa yaravuzwe, ndetse na yaryajoro yaje gutangazwa ku maradiyo. Uwakongeraho andi niyo yaba meza ate yabatesha abantu igihe. Niyo mpamvu kuri tariki ya 5 Mutarama 1994 umunsi uzandikwa mu mateka y'igihugu, dukwiye kureba, gusuzuma no kwishimira amasezerano ya Arusha. Mwese muzi ko habaye ahabagabo, naho ubundi amasezerano ya Arusha yaragiye kuba ibipapuro koko. Ubwo atari umunsi wo kuvuga menshi, ibyaba byiza ni ugutangira gushyira mu bikorwa ibiri muri ayo masezerano. Icya mbere cy'ikubitiro akaba ari ukurahira kwa Perezida wa Repubulika, dusanga mu ngingo ya 6 y'amasezerano yasinywe ku itariki ya 3 Kanama 1993. Iyo ndahiro igenewe Perezida w'inzibacyuho yaguye nyir'ukwiyemeza ari buvuge ko we mu izina ry'Imana ishobora byose arahiriye igihugu kandi ku mugaragaro ko azatunganya neza imirimo ye, ko atazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko azubaha inzego za Leta kandi agateza imbere inyungu z'igihugu, yubahiriza itegeko shingiro ndetse n'andi mategeko. Ngiye y'indahiro y'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho tugiye gutangira. Araza kuyivuga mu magambo y'Igifaransa kuko arahiye mu magambo y'Ikinyarwanda ataremejwe Arusha. Harababikeka ko byaba bitameze neza bidakurije amategeko. Ahasigaye rero kuko atari umunsi wo kurondogora, umunsi wo kuvuga amagambo, iminsi yo kuvuga amagambo ngira ngo ajyanye n'imyaka ishize, n'iminsi ishize, n'aya masaha ashize. Isigaye rero ubu ni uguha ijambo nyir'ubwite Nyakubahwa Juvenal Habyarimana, Perezida wa Repubulika, akaza kurahirira imbere y'urukiko rurinda iremezo n'ubusugire bw'itegeko nshinga. Le président de la Cour constitutionnelle, M. Kavaluganda, vient de prendre la parole. Il a indiqué que la journée d'aujourd'hui, donc du 5 janvier 1994, restera dans les annales de l'histoire du Rwanda. Il faut nous féliciter de cette journée qui constitue le lancement de la mise en application des accords d'Arusha signés le 4 août dernier. Il a indiqué que, avant d'en arriver là, il y a eu beaucoup de tractations, des tractations politiques, certains contre, refusant que ces cérémonies puissent aboutir, d'autres indiquant qu'il fallait vraiment attendre, il faut s'en féliciter. Habyarimana Juvenal, au nom du Dieu Tout-Puissant, je jure solennellement à la nation de remplir loyalement mes fonctions, de garder fidélité à la République rwandaise, de respecter les institutions de l'État et de promouvoir les intérêts du peuple rwandais dans le respect de la loi fondamentale et des autres lois. Perezida wa Repubulika rero amaze kurahira ibintu bikomeye cyane, kurahirira yuko azubahiriza amategeko y'igihugu n'andi mategeko, itegeko nshinga n'andi mategeko, ndetse agaharanira
ibyateza umunyarwanda wese imbere ibyateza igihugu cyacu imbere ibyo kandi si ubwa mbere azaba bikoze ibyo asanzwe abikora ariko yongeye kubisubiramo ibyiza rero biryoha kuko bisubiyemo ubu ngubu amaze kurahira ubwo mu mihango uko biteganyijwe ibigiye gukurikiraho ubwo nabyo barabitubwira ariko ubundi nko gahunda ya mbere yimeze yavuga ko hagiye gukurikiraho irahira ry'abadepite ubu ngubu perezida w'urukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga arimo arashyira umukono arashyirisha perezida wa repubulika umukono kw'iyo ndahiro ikomeye imaze kuba mu kanya rero ibyo nibirangira hari bukurikireho irahira ry'abadepite nabo barahirire ko batazatatira u Rwanda rwababyaye ko bazubahiriza amategeko yose itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko kandi ntibazagambanire igihugu ubwo dukomeze turebe ubu ngubu perezida wa repubulika arimo arashyira umukono kw'iyo ndahiro ndetse bikemezwa na perezida w'urukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga abanyamakuru bose niho barangamiye barimo barafata amafoto abafite za kamera barimo barafata amashusho kugira ngo mbega bashobore gukorera ibinyamakuru byabo amateleviziyo yabo bityo uyu muhango ukomeye bazashobore kugeza kuri rubanda rwa giseseka rutahibereye cyangwa rutari kubikurikirana umuntu rero arebye inyuma muri iki cyumba turimo ari inyuma niho huzuye kuko hari abashyitsi benshi batumiwe muri iyi mihango bakaba bari kureba bakurikira uko ibintu bigenda uwo mukanya hagiye gukurikiraho undi muhango ukomeye w'abadepite aribo bagiye nabo kurahira nk'uko perezida wa repubulika amaze kubikora ndetse muri ayo mategeko yarusha akaba ateganya kuko ko perezida wa repubulika arahira yamara kurahira n'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye nabo bakamurahirira imbere ubu rero umuntu yavuga yuko ari byo bigiye gukurikiraho umuhango ntiboroshye kuko murabona nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yamaze kurahira ibyakurikiweho inyandiko ndetse zo gushyiraho umukono kuri iyo ndahiro ubu nicyo abantu bategereje ko uwo muhango wo gushyira umukono kuri iyo ndahiro urangira umukuru perezida w'urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga akaba ari kubishyiraho umukono ko ibintu byagenze neza ubwo nabirangiza rero nibwo harakurikiraho umuhango wo kurahiza abadepite mu nama mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye turi dutegereje umuhango nawo turizera ko mu kanya gato bitari gutinde nibigenda nk'uko biteganyijwe rero hagomba kurahira abadepite 69 ariko ikibazo kiracyakindi abadepite ba PL harahira bahe ko batanze amalisita abiri abatarahira nabake tubitegereze mu kanya gato ndabona perezida agiye perezida w'urukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga agiye kugira icyo abivugaho la cour constitutionnelle en vertu de l'article 5 du protocole d'accord sur le partage du pouvoir dans le cadre du gouvernement de transition à base élargie signé à Arusha le 30 octobre 1992 et dans l'article 6 du protocole d'accord sur les questions diverses et dispositions finales signé à Arusha le 3 août 1993 a reçu le serment de Juvenal Habyarimana président de la République rwandaise qui a publiquement prêté serment devant le drapeau de la République en ces termes Moi, Juvenal Habyarimana, au nom du Dieu Tout-Puissant, je jure solennellement à la nation de remplir loyalement mes fonctions, de garder fidélité à la République rwandaise, de respecter les institutions de l'État et de promouvoir les intérêts du peuple rwandais dans le respect de la loi fondamentale et des autres lois. En foi de quoi a été dressé le présent procès verbal fait à Kigali le 5e jour du mois de janvier de l'an 1994 en 12 exemplaires originaux. Signé le président de la République, Juvenal Habyarimana, général-major, la Cour constitutionnelle, Joseph Kavaruganda, président, Denis Rwagasore, conseiller, Ephraim Kamari, conseiller, Jean-Baptiste Mutasha, conseiller, Claudien Karangwa, conseiller, Jean Rubaduka, conseiller, Emmanuel Hachizimfura, Xavier Ndeze. Je vous remercie.
président w'urukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga amaze kuvuga ibi byo bari bari gushyira umukono ibyuko perezida wa Repubulika nyine yarahiye abisobanura nk'uko yabirahiriye kandi bakaba bishyizeho umukono uwo ushinzwe uyobora urwo rukiko ndetse n'abajyanama b'urwo rukiko bose bakaba bamaze kubishyiraho umukono ubwo nizera ko mu kanya gato hagiye gukurikiraho imihango yo kurahiza abadepite mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye iyi mihango ni imihango itoroshye kuko nk'uko mwakurikiye indahiro ubwayo ntabwo ari ndende ariko bikurikira inyandiko zikurikiraho inyandiko mvugo nizo zifata igihe kirekire Encore pour aujourd'hui, la cérémonie de prestation de serment des députés à l'Assemblée nationale de transition. Et comme je l'ai communiqué à Madame le Premier ministre, et comme nous sommes convenus hier dans l'audience que je lui ai accordée vers 18h dans mon bureau, cette cérémonie sera placée dans l'après-midi à 15h. Je vous invite donc pour cet après-midi à 15h dans la même salle, ici, où je vais, tel que prévu par les accords d'Arusha, je vais recevoir le serment des députés à l'Assemblée nationale de transition, tel que présenté par les partis politiques, et aussi procéder à l'élection du bureau.
Je vous remercie. Amaze kurahira aravuga ati nkuko nabivuze ejo mu itangazo ryahise ubu ngubu kurahira kw'abadepite kuri bukurikiraho saa cyenda ati mwese ndabatumiye muze kuba muhari ati nkuko nabivuze kandi nkurikije nuko nabitumye ministre w'intebe wa guverinoma y'inzibacyuho none muze kuba muhari saa cyenda ndabatumiye harakurikiraho nirahira ndetse by'abadepite no gutora biro igize Assemblée nationale igize inteko ishinga amategeko ubu rero imihango yari duteranyirije hano ya mbere yibanze yirahira rya Perezida wa Repubulika irarangiye ndetse amaze no kwigendera ubwo ari bugaruke mu masaha 9 aribwo imihango yo kurahiza abadepite iri bubeho indi hagakurikiraho itora ry'abagize biro y'abadepite ubwo rero turi bukomeze kubibagezaho nyuma ya saa 6 uko ibintu biri bikurikirana abantu rero ubu ngubu baragiye cyakora ibyo ngibyo umuntu yagomba kubitekerezaho kuko Perezida aravuga ati nabimenyesheje ministre w'intebe mu gahunda none iyo gahunda ntikutse ubwo turi butegeze ko rwigende cyakibazo rero nababwiraga yuko abantu bakikibazaho ubwo nukuvuga ko abantu bagifite igihe kirekire cyo kukibazaho kuko wa mugani bamwe imitima ishobora no guhagarara abandi abona bari bavuga bati yenda bigiye kugira tumenye icyo kibazo ko kirangiye ariko ibyo ari byo byose uyu munsi urashira tumenye uko ibintu bigenze naho biherereye ubwo nituza kugaruka turi bukomeze televiziyo y'u Rwanda irakomeza ibagezeho ibyo uyu munsi wa none icyo mutekereza uko muyumva muri aka kanya
kugeza ubu ndacyemera gahunda nateguye cyane cyane ko nayiteguye mbifitiye ububasha kaba numva rero nibishobora gucibwamo ibyari ngombwa nuko mubaza uwaba yayiciyemo itabimuteye cyane ko mbibona uvugiye ko mbese ubu ngubu muri aka kanya ari intambara ivuta hagati ya minisitiri w'intebe Uwiringiyimana Agatha na perezida wa repubulika Habyarimana Juvenal nta ntambara ishobora kuvuka hagati yanjye na perezida wa repubulika ntibishoboka intambara se yazarwanwa iki ntayo ariko avuze ko mwari mwumvikanye muri audience yabahaye twumvikanye bivuga iki mumubaze communique conjoint twasinye ahuye muravuze ngo kuri mwebwe iyo gahunda murayikomeza nuvuga ko abaminisitiri bagiye nako badepite bagiye kurahira no guperezida sika yabagiye perezida wa repubulika se si wo barahiza turamutegereje ko barahiza kandi yubahirije gahunda yahawe na guverinoma kuko niba yaranditse ati premier ministre nashyireho gahunda igashyirwaho nta mpamvu zumvikana ukuntu yasubiye inyuma iyo gahunda akayihindura ese ubundi kuki mutamubaza inzego urundi rwego rugomba kujyaho azabishyiraho azarigushyiraho ryari mwamubajije simbona icyo mumbaza yewe nshinzwe kureba niba ibyangombwa byuzuye kugira ngo inzego zose z'inzibacyuho zigeho nizo nashyize kuri gahunda nyakubahwa minisitiri w'intebe ubu ngubu perezida wa repubulika amaze kugenda gahunda amaze gutanga mwebwe muri buyubahirize birumvikana ko iyo gahunda zidahuye ari ebyiri icyo gihe ngomba kureba iyo nubahirize iyo ari yo agaciro ze kuri mwebwe ni iyihe niyatanzwe na guverinoma nagira ngo mubaze madamu premier ministre kuva igihe mubonaniye na perezida wa repubulika hari inama ya guverinoma yigeze iterana ngo yige iki bakubwiye ko iyo nama ya guverinoma yakwiga iki yige gahunda nk'uko iri bugende uyu munsi wateranye abaminisitiri wo kugira ngo bige ngo saa moya saa mbiri ko n'agasuzuguro ko mbona mu by'ukuri mutavuga rumwe na perezida wa repubulika ndetse ugasanga harimo n'agasuzuguro nk'ubu ibibazo mubaza mwagombye kumubaza ari hano akababwira ibya gahunda ye njyewe nababwiye ibyanjye n'abamuteranse madamu la premier ministre quelle est votre réaction au départ précipité du président de la république mubaze abanyarwanda bose bari hano uko byagenze la réaction particulière du premier ministre ike murambona muranduzi abize psikoloji murebe icyo bivuga banyarwanda banyarwandakazi n'inshuti za televiziyo y'u Rwanda mwongeye kwirirwa nongeye kubasuhuza kuko twari kumwe mu gitondo tuje mu muhango ukomeye wo irahira rya nyakubahwa perezida wa repubulika akaba yabikoze muri gahunda rero twari twabahaye iyo mihango twari twabahaye gahunda irimo irahira rya nyakubahwa perezida wa repubulika ibyo bikaba ryanabaye yagombaga gukurikirwa n'irahira ry'abadepite mu nama mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye ndetse rigakurikirwa n'irya minisitiri w'intebe n'abaminisitiri bo muri guverinoma y'inzibacyuho yaguye iyo gahunda rero ikaba ari yari yatanzwe na minisitiri w'intebe cyakora iyo mihango itangiye nk'uko mwashoboye kuyikurikirana nyakubahwa perezida wa repubulika yagize umuhango wo kurahira nk'uko bisanzwe koko cyakora avuga yuko nk'uko we gahunda yari yatanze yumvikanyeho na minisitiri w'intebe abandi baza kurahira nyuma ya saa sita saa cyenda ni muri urwo rwego rero tugarutse tukaba tuje nanone muri uwo muhango ubu ngubu turi kuvugana ndabona abantu batangiye kuza ari benshi abanyacyubahiro benshi ndetse hari n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda murababona hano inyuma yanjye n'abandi baje mu kazi mbega ko mu iryo rahira cyakora nanone ikindi kibazo nahoze mbabwira yuko mu iryo rahira harimo ikibazo kubera ko n'ishyaka PL ryatanze amalisiti y'abadepite abiri lisite yitirirwa Justine Mugenzi ari we perezida wa PL n'indi lisite yitirirwa Randwari Ndasingwa bavuga ko ari premier president wa PL icyo kibazo nabwo mbabwira ko gihari ko gitegereje ko gikemuka iyo mihango yo kurahira kwa nyakubahwa perezida wa repubulika irangiye abantu batashye ndetse ahita batumira ko bagomba kugaruka saa cyenda kugira ngo n'abadepite bo mu nzibacyuho yaguye barahire abantu babyitabiriye
hagati mu makuru yo kugaragaza kwisa amatangazo ya bamwe ndega ba cyifuza gakoryaje nabucyo bavuga bati imyitabire iyo mihango none rero twebwe abanyamakuru byo dushinzwe ngo gukurikirana ibyo byose twagarutse kureba ko iyo mihango yo kurangiza abadepite iba ndakeka ko iri bube kuko ndabona abari bahari abatumiwe abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'abandi banyacyubahiro bo mu Rwanda batangiye kuza nk'uko mubabona inyuma yanjye hano n'abandi bari mwako kazi baje ubu rero dutegereje yuko yasaha igeranya kubasenga abayepubulika akaza ndetse n'abagomba kurahira bakaza ikibazo rero twabaze tuvugaho kare ni cy'uko twibazaga mbese biragenda bite kiracyariho rero ahubwo hakaba hiyongereho ikindi kubera ko noneho bamwe bavuga bati ntimubyitabire mbese nibatabyitabira biragenda bite ibyo ari byo byose icyo twababwira ni uko hari abari munsi baje bose bakarahira yaba ari amahirwe yaba ari amahoro ku banyarwanda ariko nibataza se icyo umuntu akubaza biragenda bite mu masezerano y'amahoro ya Arusha ibyo ntibisobanutse cyakora icyo tuzi ko ubusanzwe ni uko buri wese arahira ku giti cye ubwo twakumva ko abari buze bari burahira bari burahire wenda n'abandi bataje bakazagira igihe cyabo cyo kurahira ubwo rero turi bagezeho uko biri bugende nyuma ubu ntacyo twababwira nuko abanyacyubahiro bakomeje kuza tukaba twizera ko biri bugende nk'uko byari biteganyijwe Rwandaise et Rwandais, chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour ou bon après-midi. Tout à l'heure, dans la matinée, on était ensemble. Je vous disais que nous allons retransmettre les cérémonies de prestation de serment du président de la République et de l'Assemblée nationale de transition à base élargie, de même que la prestation de serment du gouvernement de transition à base élargie. Cela relevait du programme qui avait été annoncé par Madame le Premier ministre, le programme qui n'avait pas été concerté avec le président de la République. Selon le programme concerté avec le président de la République et le Premier ministre, il était prévu que ce matin y ait lieu une cérémonie de prestation de serment de Son Excellence, Monsieur le Président de la République rwandaise. Cette cérémonie a eu bien eu lieu. Et après, le président de la République a donné rendez-vous à tous ceux qui étaient invités dans cette cérémonie à se retrouver cet après-midi à 15h au siège du Conseil national de développement pour la poursuite de la cérémonie, c'est-à-dire pour la prestation de serment des députés à l'Assemblée nationale de transition. Mais au milieu de cette journée, dans les informations de la mi-journée, on a entendu un communiqué de certains membres des partis qui disaient qu'il ne fallait pas venir dans cette cérémonie. Alors maintenant, une deuxième inconnue, est-ce que les partis viendront ou ils ne viendront pas? De toute façon, nous pensons qu'ils vont venir parce que tous les invités, les membres des corps diplomatiques et consulaires sont déjà là, vous les voyez derrière moi, et nous attendons le président de la République pour la prestation de serment. On va voir la suite. Bagomba kurahira barahari abanyacyubahiro bo mu Rwanda nabo barahari abaministre bari basanzwe muri guverinoma yariho ubu ngubu barahari ndetse n'abanyamahanga bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ubu barahari bageze mu myanya ubu rero bose batunze amaso ahantu hamwe bose baje cyangwa ntibaraza kuko kugeza ubu ntabwo twamenya yaba amashyaka nk'amashyaka yari afite ibibazo yarashoboye kubyumvikanaho ku buryo bohereza lisiti imwe y'abadepite cyane cyane twavuga nk'ishyaka PL kuko ari ryo ryari rifite ibibazo mu rwego rw'abadepite Salle du siège du Conseil national de développement où va se dérouler la cérémonie de prestation de serment des députés à l'Assemblée nationale de transition. Tout le monde est prêt. Les députés qui doivent prêter serment, ceux qui sont venus sont déjà là, ils ont pris place, ils ont pris leur place à l'endroit que le protocole leur a indiqué. Les hauts dignitaires du Rwanda sont en place également, les anciens ministres, les ministres du gouvernement de transition sortant, les hauts dignitaires, les représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité à Kigali, les ambassadeurs donc, et tout le monde, tout le monde. Alors, je crois que
qu'ils attendent l'arrivée du chef de l'État pour la prestation de serment. Nous vous ferons revivre cet événement au fur et à mesure que des événements vont avancer. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je pense que la cérémonie va pouvoir avoir lieu parce que je vois tout le monde faire un remue-ménage. Ah oui, je vois effectivement le président de la République, le général Juvenal Habyarimana qui arrive pour la prestation de serment. Il est applaudi par l'Assemblée. Il s'est rassemblé dans la salle du siège du Conseil national de développement. Banyarwanda, Banyarwanda kazi rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika arahageze haje gutangiza umuhango wo kurahiza abadepite bo muri mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye. Ngubu abantu bategereje bahari bamenya rero abadepite bahari nabahe abadahari nabahe turi bumenye mu kanya. Mesdames et messieurs, je vous remercie de tout cœur d'avoir répondu à mon invitation. Je vous remercie d'être là. Comme je vous avais convié ce matin à cette cérémonie, et spécialement que j'avais invité les premiers concernés. Mais je constate comme vous deux choses. Je constate que le président de la Cour constitutionnelle n'est pas là. Et je voudrais rappeler l'article 7 du protocole d'accord sur les questions diverses et dispositions finales. L'article 7 qui dit à son avant-dernier alinéa que les députés à l'Assemblée nationale de transition prêtent serment devant le président de la République en présence du président de la Cour constitutionnelle. Cette disposition, et puisque le président de la Cour constitutionnelle n'est pas là, cette disposition ne peut pas être remplie. Je constate aussi, en second point, que aucun député du FPR n'est présent, à qui j'ai demandé de contrôler les présences, m'ont signalé cela, qu'aucun député du Front Patriotique Rwandais n'est présent dans la salle et qu'aucun député du Parti Social Démocrate, PSD, n'est présent. Cela s'ajoute au motif que je viens d'invoquer, de l'absence du président de la Cour constitutionnelle, pour vous dire qu'il est de mon devoir d'ajourner cette séance, mais que je suis prêt à la reprendre aussitôt que les concernés seront là, c'est-à-dire les députés qui doivent vous prêter serment
et que les autorités visées à l'article 7 se seront rendues disponibles pour remplir le devoir qui leur incombe. Voilà donc, j'ajourne cette séance. Je voudrais vous remercier à nouveau d'être là. Je voudrais vous remercier de vous être dérangé. Et surtout, je voudrais lancer un appel, spécialement à ces partis qui ne sont pas présents, mais aussi à la communauté internationale, principalement à nos amis qui nous ont accompagnés à Arusha pendant une année, plus d'une année, pour négocier cet accord de paix, pour que réellement chacun fasse un effort réel et visible, et que la communauté internationale puisse nous aider pour que le Rwanda puisse mettre en place les institutions de transition telles que prévues par l'accord d'Arusha, c'est-à-dire l'Assemblée nationale de transition d'abord et le gouvernement de transition à base élargie ensuite. Avec mes remerciements, je vous souhaite une bonne soirée. Cette séance est donc ajournée pour les motifs que j'ai évoqués et je suis prêt à la reprendre dès que les difficultés que nous avons rencontrées aujourd'hui, que nous constatons ce soir, que ces difficultés se seront aplanies. Merci infiniment. Wa muhango rero waruteganyijwe ntabwo ubaye kubera ko abadepite ba FPR bataje ndetse na president w'urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga akabataje urwo rukiko ntirwari ruhari. Ingingo ya karindwi rero y'amategeko yerekeranye n'ibyo byo gushyiraho imihango y'ubutegetsi niyo ibiteganya. Iyo urukiko rudahari ntabwo iyo mihango ishobora kuba. Ikindi kandi nuko n'abadepite bo muri FPR inkotanyi ntibigeze bahagera, n'abadepite bo muri PSD ntabwo bigeze bahagera. Ubwo rero nyakubahwa perezida wa Repubulika abwira abari bahari yuko yiteguye kuzaza kuyobora iyo mihango igihe abo bose babuze bazaba babonetse. Ntati ntabwo ari igihe biturutseho, asaba ndetse n'amahanga yuko yakora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze badufashe amasezerano y'amahoro ya Arusha yubahirizwe. Abantu bose bari baje, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, bagiye mbega bumiwe, biragaragara ko bumiwe, ariko ubwo ni ugutegereza. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, inshuti za televiziyo y'u Rwanda, umuhango waruteranyirije abantu hano mu ngoro y'inama y'igihugu guherana amajyambere ntabwo ushoboye kuba. Muzi ko uyu munsi mu gitondo habaye umuhango wo kurahira, umuhango wo irahira rya nyakubahwa perezida wa Repubulika wabaye, atumira abari muri uwo muhango kuri bugaruke isaa 9 kugira ngo ashobore no kuyobora umuhango w'irahira ry'abadepite mu nteko y'ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye. Abari batumiwe rero bamwe baje abandi ntibaje, amashyaka yagombaga kujya aho ngaho yahageze ariko ntabwo bose bahageze. FPR amudepite wayo nta numwe waruhari, PSD nta mudepite wayo waruhari. Kimwe n'uko urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga narwo rwagomba kuba ruhari narwo ntirwaje. Ubwo rero ibyo bitumye iyo mihango ihagarara, bituma perezida wa Repubulika abwira abari bahari yuko kubera kubahiriza amategeko Arusha ntabwo umuhango waba kandi abagomba kujyamo bose badahari.
cyakora basabye uko bakora ibishoboka byose sabye namahanga ko yafasha u Rwanda gukora ibishoboka byose ngo amasezerano y'amahoro yarusha akomeze gushyirwa mu bikorwa mbega nabo babuze bazaboneke ati giye bazabonekera cyose rero nzaba mpari jyewe ndaho nta kibazo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, la cérémonie qui réunissait les gens ici dans la salle du siège du Conseil national de développement n'a pas lieu. La cérémonie de prestation de serment des députés à l'Assemblée nationale de transition. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu lieu? Parce que tout simplement, le Front patriotique rwandais, les députés du FPR ne sont pas présents et les députés du PSID ne sont pas présents non plus. Alors le président de la République a été obligé de demander à la séance de reporter cette séance de cérémonie lorsque tout le monde sera présent et pourra avoir lieu. Maintenant, nous clôturons ce studio à vos antennes.